Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, nous allons donc passer en direct sur France 3. Hier nous avons eu le plaisir de découvrir et d'apprendre certaines choses dans les coulisses du plateau. Nous avons vraiment hâte que cela se passe, c'est parti. Venu du fond de la niche. Il bondit.
pathétique, une brute enragée d'amour qui s'aplatit ensuite à mes pieds pour lécher mes mollets en pleurant de joie. Du demi-cercle qu'avaient tracé ses allées et venues de peur, il bondit, virgule. Du fond de la niche, virgule, il bondit, virgule. Pattes agrippèrent mes épaules. Je vis briller quatre canines, virgule. Je vis briller quatre canines, virgule. De l'émission. D'accord. Et donc, quel est le but de l'émission de venir au collège pour une dictée aujourd'hui? Le but, c'est que France Télévisions vous souhaitait remettre sur ses antennes un exercice qui a été très populaire pendant de nombreuses années, incarné par Bernard Pivot. Et depuis 2005, il n'y avait plus cet exercice sur les antennes de France Télévisions. Donc, le but, c'était de remettre cette émission à l'antenne avec un public plus jeune. Et notamment pour cette première émission et ce retour, s'adresser à un public de collégiens, classe de 3e. Et est-ce que cette expérience vous a plu, vous a appris des choses? Alors moi en tant que producteur, oui bien sûr, parce qu'il a fallu bien comprendre comment ça se passe dans les coulisses et le quotidien d'un collège, à la fois avec votre travail et puis celui de vos professeurs, et donc c'était passionnant. D'accord. Et pourquoi vous êtes venu au collège de Tonnerre? Je suis venu au collège de Tonnerre pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un collège qui a beaucoup d'activités, qui bouge bien. Hein, oui. On le voit avec ce que vous faites, la mine d'entreprise, la résidence d'artistes, etc. Qu'ensuite, c'est un établissement qui est joli. Et quand on fait de la télévision, c'est toujours un plus. Parce que l'équipe en place de vos professeurs est intéressée de ce projet. Et puis, tu as bien raison, c'est que moi j'ai été collégien ici à Belminard. Oui. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie.